Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de la leçon 6 qui s'intitule « Les garçons et les filles » et le sous-titre « Dieu parle les deux langues ». Cette leçon est divisée en deux parties. Aujourd'hui c'est la première partie, enfin cette semaine, et la semaine prochaine donc ce sera la deuxième partie. Quand on lit le récit de la création, nous voyons que Dieu a créé d'abord un homme, Adam, qui était triste d'être seul, au point que Dieu a créé une femme, ensuite, à partir d'une côte d'Adam. Nous lisons dans Genèse 5, verset 2, Dieu les a créés hommes et femmes, il les a créés, il les a bénis et leur a donné le nom d'êtres humains le jour même où il les a créés. Et un autre verset qui se trouve dans 1 Corinthiens 11 et le verset 12 nous dit « En effet, Dieu a fait la femme à partir du corps de l'homme, mais l'homme vient au monde grâce à la femme. Et tout vient de Dieu. » Cette leçon veut montrer que l'homme et la femme sont différents. Néanmoins, c'est quand même Dieu qui les a créés tous les deux et il les connaît. C'est pour cela que le titre nous précise « Dieu parle les deux langues ». Mais je vous rassure, Dieu parle bien plus que ça comme langue. Le guide propose un petit jeu et je vous invite à le mettre en pratique. Vous faites deux groupes, un de garçons et un de filles, et vous préparez des questions pour chaque équipe. À l'équipe de garçons, vous préparez plutôt des questions habituellement proposées aux filles, par exemple sur la mode, le maquillage. Et à l'équipe de filles, vous proposez plutôt des questions en rapport avec les chaussures de sport, les voitures, le foot, etc. Ils constateront, et vous-même, en général, qu'ils ont du mal à répondre aux questions posées. Pourquoi ? Parce qu'il y a une différence entre les filles et les garçons. Ça semble évident. Et vous pouvez trouver d'autres jeux encore. Les garçons et les filles voient les choses différemment. Les garçons ont tendance à voir plutôt les choses de façon globale, de façon plus directe, alors que les filles vont plutôt s'attacher aux petits détails, à ce qui fait la différence. Mais les uns comme les autres doivent apprendre à communiquer ensemble. C'est très important. Dieu les comprend. Et ils doivent se dire également que si Dieu les a créés différemment, eh bien Dieu comprend chacun de leurs langages. À l'âge des SMS, on préfère rester en groupe, soit entre filles, soit entre garçons. Mais Dieu les a créés pour qu'ils deviennent adultes et que plus tard, ils soient attirés par le sexe opposé et envisagent éventuellement ensuite de former un couple. Dieu utilise les garçons comme les filles, soit ils doivent en être convaincus. Dieu les utilise chacun à sa manière pour accomplir ses desseins. À eux de rester au service de Dieu et à vous de les en convaincre. La semaine prochaine, donc, nous verrons les relations, les communications plus particulièrement entre les filles et les garçons. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.